2, j'espère que ça va vous plaire. On va fouiller un petit peu dans les bacs, dans mes bacs, et vous montrer quelques disques très sympas qu'on va utiliser, notamment pour la nouvelle saison de Boogie Station. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, voici le premier, donc Patti Boulet, Shake Up and Dance. Donc comment dire ça? C'est un truc de aerobics, comme vous pouvez voir derrière la pochette. Il y a toute une collection, voilà, les pochettes. Et on retrouve quelques titres, on retrouve notamment le morceau Running, qui est sorti en maxi, et aussi d'autres titres comme This is the Moment de Richard John Smith, et puis d'autres titres, voilà. C'est un album assez rare, on peut dire ça comme ça. Et en fait, si vous aimez bien le morceau Running, vous l'avez là. Voilà, sur le maxi, donc sur le label Lifestyle Records, tout simplement. C'est la spéciale Club Mix, donc un peu plus longue que l'album que vous avez vu tout à l'heure. Et derrière, bah, vous avez la version instrumentale, qui est un plus. Continuez donc, voilà. Donc là, un très bon son aussi, Sun Lovers. Forcément, voilà, Dale Richardson sur la version maxi. Pas la version que vous connaissez sur le label Benelux original, mais là c'est vraiment la version remix qui dure, il me semble, je crois que c'est sur l'autre face, 9 minutes 5, Club Mix, très bon. Ensuite, on a ici Exodus que je passerai aussi, Together Forever, avec la version dub derrière, qui est excellentissime. Celui-ci, je l'ai déjà passé, il me semble, mais c'est toujours bon de le repasser, le Matt Covington, I'm So In Love With You. Là, c'est le maxi de Midnight, avec la vraie pochette avec le petit macaron, enfin, l'espèce de stickers. Et je crois qu'il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que la version est différente sur ce maxi-là. Là, il est sur Tivoli, Tifoli, Never Gonna Stop. Donc je vais bientôt m'en servir prochainement. Ah, bien sûr, incontournable State of Grace, Touching the Times. Vera Crew, Sexy Lady. Linda Lewis, A Tear and Smile, avec un gros morceau à l'intérieur. C'est Destination Love. Mais il y a d'autres trucs très sympas aussi à écouter. Après, il y a le plush. Quelques classiques qu'on écoutera cette saison, comme le plush, le Dave Valentin, Mark Sadan, Blue Stone. J'adore cet album de Blue Stone. Vraiment excellent, ultra complet. Marshall Titus. Là, c'est la version avec sur le label Lunar Eclipse. Suite au fait qu'il ait gagné forcément. La compétition Budweiser, qui était sortie sur le label Starstream Records ou Showdown, je sais plus. Et ensuite, bah, il a eu le droit à sortir son propre disque sur ce label. Mantra, petit classique. René Hayes, vraiment très bon. Un petit son vraiment, un peu obscur, mais qui est vraiment bien. Avec des bons sons, je crois que 86-87, il me semble. Alors, l'album de Leroy Hudson, c'est une compile. Mais ce qui est intéressant avec cette compile-là, c'est que vous avez des sons totalement inédits, qui ne sont jamais sortis nulle part. À part ça, soit cette compile, et des sons de 82, 83, parce qu'il avait prévu de faire un autre album après le Paradise, qui n'a jamais vu le jour, et les sons qu'il avait prévus, il les a incorporés sur cette compilation-là. Voilà, il faut le savoir, c'est une bombe. Voilà, je vous dis franchement. Bah là, Penny Ford, super album de Penny Ford sur le label Total. Voilà, Total Experience, c'est un super album, hein, je vous le dis. Hein, si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Une petite perle, True Image de Modern Soul Disco, Keep Me Dancing, j'adore. Alors là, franchement, super super disque aussi. Kilgo, je l'ai déjà passé un morceau, mais je vais repasser un autre morceau cette année dans l'émission. Et voilà, je crois que c'était un artiste. Je crois que c'est l'artiste du groupe. J'ai oublié quel groupe il était. Je sais plus si c'était. Je sais plus si c'était Fatback Band ou bien Chocolate Milk. Mais bref, en tout cas, c'était un artiste qui venait d'un groupe. Et là, Kilgo, vraiment, je vous conseille. Bah, après, bon rock, forcément. Pareil, on va se l'écouter cette année. Flowchart avec la petite canette. Bon, l'histoire, vous la connaissez peut-être. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller sur ma page Boogie Station. Et je la raconte. C'est une histoire un peu d'un fils un peu gâté qui a demandé à son père qui voulait de travailler sur un morceau en plus sur cet album-là. Bah, pour l'histoire, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Je vous l'ai raconté. Là, bah, Ladies of 80s, forcément. Super, super LP aussi. Voilà, une mélodique. L'original, bien sûr, hein. Il n'y a aucune réédition chez moi. Ladies of Hades. Là, Amy Stewart. I'm gonna get your love. Celui-là aussi, on va se l'écouter. Bon, un gros plan sur les Inns, mais bon, désolé. C'est un super super LP, avec un morceau en plus, ou deux morceaux, je sais plus, de Croït Affaire. Là, je vous le conseille, vraiment. Là, une petite production allemande. XYZ, Disco Charts, qu'on écoutera aussi, puisque je prépare une émission spéciale allemande. Spéciale Germanie, pardon. C'est volume 1.
Mass Production 83, vraiment un super album aussi, un classique, mais ça reste vraiment du haut niveau. Hein. Franchement, faut le prendre celui-là si vous ne le connaissez pas. Tavares, pareil, on va se l'écouter aussi, un classique. Mighty Fire, vraiment une bombe. Si vous ne connaissez pas ce deuxième album de Mighty Fire, très sous-côté, mais je vous assure que c'est une pépite. Tous les morceaux, franchement. Moi, pour moi, mon préféré, c'est Just a Little Bit et Start It Up. C'est vraiment des bombes. Platypus, forcément, je kiffe ce groupe-là. Ils en ont fait deux, mais là, celui-là, le chéri, on va se le passer aussi. Je l'ai déjà passé, j'ai passé un morceau, mais là, il y en a d'autres que je vais passer. Afterback, donc que j'aime beaucoup aussi, hein, je vous le dis, si vous connaissez pas. Sunfire, pareil, on va se le passer. Zynga, émission spéciale, hein, avec tous ces classiques-là. Loving Chimes, forcément, très bon, hein, trop bien LP. Franchement, je l'adore. Franchement, quelle bombe, Sweet Chimes. Et puis, il y a aussi l'autre que je vous prépare aussi. Donc, j'ai oublié le nom, mais que j'ai aussi. Le Freedom, Are You Available? Très bon LP, mais bon, comme je l'avais déjà expliqué dans une autre émission, je préfère quand même l'album qui était sorti juste avant, le 81, que j'adore. À la marge. Voilà, Lionel Job derrière. Make it right. Fabuleux LP. Rien à dire. Qui reprend du poil de la bête au niveau de la côte, faut savoir. Alors ensuite, dans les maxis, voilà, Charles T. Wilson, deux maxis, deux morceaux. Everybody Doing. Et puis derrière, vous avez. Let's Sip Away, instrumental, magnifique. Pareil, dans le même label, sur le même label, Factory D Records et Rena Romaro. Do It To Me, si vous ne connaissez pas, il faut foncer. C'est super, mais elle a pas fait que ça. Elle a fait des trucs de ouf, faut savoir. Ensuite, forcément, voilà, je prépare une petite émission au Modern Soul, Disco Boogie, et il y aura Closel, Let Me Love You. Pixie Dust, Tuerie, forcément. Steven Serling, j'adore cet album-là, très très bon. Petite, voilà, Yvonne Chaka Khan pour ceux qui. Chaka Chaka, on va dire plutôt ça comme ça. Mini EP, un Burning Up. Mais je crois qu'il existe un album de ça. Moi, c'est le mini EP. Voilà, le Ecstasy, bien sûr, l'original. Il est en super état. Je l'ai depuis des années. Voilà, il est vraiment beau. Il y a des morceaux très intéressants. Bon, pareil, je prépare une petite émission nigérienne, vous verrez. Solar Source, label Avi. Moi, j'aime beaucoup aussi ce label-là, vous voyez. Ça, c'est vraiment un label de qualité, il ne faut pas hésiter. Solar Source, Nerve the Time, c'est un super album. Halloween, vraiment très particulier comme album. Franchement, l'impression que c'est un peu du Mystic Merlin avant l'heure. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir si ce n'est pas fait déjà. One Way, pour moi, c'est la pépite absolue du groupe One Way. C'est l'album numéro 2. Voilà, vous voyez, One Way 2, avec Do You Think, avec le petit stickers. Voilà, c'est une tuerie. Voilà, je peux vous. C'est un classique, mais. Century, Do You Think, Copy This, Something in your Past, Let's Go Out Tonight, You're the One. You're the One, Century. Pop It, Kevin McCord, Al Hudson, Al Perkins, vraiment la qualité dans cet album-là, elle est folle. C'est un classique, mais il vous faut absolument l'avoir, ça c'est clair. Alors voilà, c'est sur le label, il me semble, TVI, label de Jena, je sais plus. Et là, c'est Jasmine, pardon, c'est un espèce de freestyle boogie avec la version espagnole qui déboîte bien. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, je passerai dans un spécial freestyle que je prépare. Bah voilà, Laura Green que vous connaissez sûrement. Rhea, obscur, mais très bon. Teach Give. Vampires, ça c'est un Fantasy Love, c'est une espèce de mélo boogie vraiment que j'aime beaucoup. C'est pas grillé, mais je vous l'invite à découvrir. Jamal, Serious Fuller aussi, c'est pareil, Sidetracks. Très bon, je le repasserai cette année, j'ai déjà passé mais je vais le repasser. Voilà, ça aussi je l'ai déjà passé mais je pense que je vais le repasser, c'est très bon. Spacership, tuerie. Everdrive, ça bah pas besoin d'en parler, hein, je pense que tout le connaît. Ça par contre c'est assez obscur, c'est l'album de Bibi Flash. Il y a un ou deux morceaux très bons que je passerai aussi. Voilà, ça aussi vous connaissez, ça, je suis en train de préparer une émission française. Et Bombe Anatomique, Valérie, la face instrumentale. Et il y aura beaucoup d'autres choses. Je prépare un truc français. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite section de volume 2 de Digging. On se voit pour le mois de janvier pour une nouvelle section. Passez de bonnes fêtes à tous. À bientôt.